Good morning, allez Yiden les juste aujourd'hui le Nishmat Shimon ben Eliyahu Vekuka, Amram Yona ben Chana, ainsi que dire fois tous les visiteurs de Shimon ben Chaya Esther, Inon Chai ben Jessica, et Etel Myriam Lea, Batsara Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Nishmat, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Psachim, Beregvet Mishnah Hei, Eilu Dvarim, Shadam Yosef Ben Yede Chobato Bepesach, Bachitim, Baseorim, Bekusmin, Beshifon ou Beshibolet Shual. ויוצין בדמי ובמעשר ראשון שני תלה תרומתו, ובמעשר שני וקדש שנפדו, והכהנים בחלה ובתרומה, אבל לא בתבל, ולא במעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו, חלות תדור כיעור כי כנזיר, אסן לעצמו אין יוצין בהן. להסען נמכור בשוק, יוצאין בהן. On traduit directement. Elou dvarim shadam yotse ba'en et dochovatou bepesach. Telles sont les choses, les espèces avec lesquelles un homme s'acquitte de son devoir à Pessah. On parle de la mitzvah de manger de la matzah à Pessah. Avec quelles céréales peut-on faire de la matzah? Est-ce qu'on peut la faire avec du riz? Les gens qui sont allergiques au gluten, par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, sur ça, la Mishnah me dit il y a les cinq espèces. Cinq espèces, c'est chitin, zorin, kousmin, chevelet, choual, vechifon. On les voit de partout ensemble. Chitin, le blé. Seorim, l'orge. Kousmin, l'épeautre. Chiffon, c'est le seigle. Et Shibolet Shual, c'est l'avoine. C'est pas que je sais si bien traduire, c'est que j'ai tout écrit sur ma Mishnah. D'accord? Et à chaque fois, je me trompe. Devant la caméra, j'aurais craqué. Donc, Kousmin, c'est voilà. Donc, c'est les cinq espèces de céréales avec lesquelles on peut faire de la matzah. Pour les allergiques au gluten, on fait à notre époque des matzot en shibalet choual, en avoine, il me semble, ou en chiffon, je ne sais plus, en seigle. Et voilà, ça c'est pour les cinq espèces. Petite question entre parenthèses, une question que j'ai toujours eue sur cette Mishnah, la Mishnah et la prochaine, elles n'ont aucun rapport avec le sujet. Soit on est en plein préparatif de Pessah, on est en pleine préparation, il y a 10 4 amets, on est en train de parler de qu'il ne faut plus posséder du Hametz, et on va continuer à en parler encore après, des choses qui sont interdites, des produits qu'on n'a pas le droit de consommer. En plein milieu, on se met à te parler, dans notre Mishnah, hey, des produits, des céréales avec lesquels tu peux faire des matzot, ce n'est pas encore le sujet. Plus tard, on commencera à parler du Seder, quoi. D'accord. Et à la prochaine Mishnah, on va se mettre à parler maintenant, si déjà on a parlé des espèces de la matzah, on va parler des espèces du Maror aussi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être une petite proposition techniquement, c'est qu'en fait, parce que c'est spécifiquement ces cinq espèces qui vont nous donner du chametz, à la différence du riz par exemple, qui n'a pas d'interdit de consommer selon la Torah du riz. Donc par exemple, il n'y aura pas de chametz. Donc on est en train de découvrir la halakhot avec quelles sont les espèces qui ont du chametz. Il faut tout d'abord savoir quelles sont les espèces avec lesquelles tu peux faire tes matzahs, ça va de soi. D'accord? C'est peut-être une éventualité, je ne sais pas. Veyotzin, à part ça maintenant. On a commencé à ouvrir le sujet maintenant. Des espèces avec lesquelles tu peux faire la matzah. On va se mettre à parler encore, faire ta matzah de la mitzvah. On va te proposer encore toutes sortes de céréales, donc des cinq espèces, que tu pourras utiliser pour faire ta matzah et d'autres qui seront invalidées. Je donne un petit principe général. Quelque chose, un chametz par exemple, si on va se retrouver avec une céréale qui est interdite à la consommation, par exemple, tu ne pourras pas l'utiliser pour faire ta mitzvah. C'est une mitzvah à avera. Tu es en train d'accomplir une mitzvah en faisant en même temps une avera. C'est quelque chose que tu n'as pas le droit de manger. Comme on va parler, par exemple, d'un cas... on va parler de différents cas du tevel. Une céréale sur laquelle on n'a pas prélevé, on n'a pas fait les prélèvements requis, par exemple. Elle est interdite à la consommation. Dans ce cas-là, si tu la manges pour faire ta matzah, tu t'acquittes pas de ton devoir de matzah. Tu ne vas pas me dire que tu as mangé, tu as fait une avéra avec une mitzvah. Non, tu as fait une avéra et tu n'as même pas fait de mitzvah. D'accord? Ça va être le principe général. Du coup, comme c'est fréquent dans les Mishnayot, on va te rapporter une série de choses où il y a des problèmes halakhiques spécifiques, mais malgré tout qui vont être permis par rapport à d'autres situations où le problème halakhique va faire que ça va invalider complètement la matzah. D'accord? On va voir maintenant une série de halakhot qu'on a déjà vu. C'est marrant, dans toutes les masertot, ça se retrouve. Dans toutes les masertot, depuis brachot, qu'on a parlé de avec quoi on peut faire le zimoun, on a mis ça pour faire le birkat Amazon. Dans Shabbat, on en a parlé. Dans Eruvin, on en a parlé. Avec quoi on peut faire le Eruv. Et là, on retrouve de nouveau dans Psachim, et on continue encore dans toutes les prochaines masertot. On fait que de les rencontrer constamment. Ce sont des produits
qui ont un problème anachique, certains qui sont résolus, tant bien que mal a posteriori, et d'autres que même a posteriori c'est invalidé. Et on commence avec Yotin Badmaï, on s'acquitte si on mange du Dmaï. Le Dmaï, c'est, j'ai dit, il y a l'interdit de Tevel, c'est lorsqu'on n'a fait aucun prélèvement. Le Dmaï, c'est une récolte où on ne sait pas est-ce que ça a été prélevé comme il fallait. On l'a acheté ça dans un maharès de quelqu'un qui ne fait pas bien les mitzvot, mais il l'a fait tant bien que mal. On achète, on ne sait pas est-ce que cette fois-ci il a prélevé, il n'a pas prélevé. Ça s'appelle du Dmaï. D'accord ? Il y a un interdit de le consommer, mais a posteriori, pour, dans certaines situations, la Torah et les Chachamim ont permis de le consommer. Pour certaines raisons, on ne va pas découvrir le sujet. Mais les Chachamim ont permis, par exemple, pour un pauvre. Donc du coup, même moi, je suis très riche, vous savez bien. Je suis très riche, mais si je veux, je peux dilapider tout, mais bien en une seconde, je rends tout FKR, et dans ce cas-là, j'aurai le droit de manger le Dmaï. Puisque j'ai une possibilité de manger le Dmaï, a posteriori, je me quitte en mangeant une matzah de Dmaï. Même principe avec Ubema Aser Rishon Shinitla Trumato. Le Maaser Rishon, on parle donc dans les prélèvements, lorsque je reçois mes récoltes. D'abord, le premier prélèvement, c'est la Trouma Gdola. Un cinquantième, je donne au Kohen. Après, un dixième que je donne au Lévi. Après, un deuxième dixième, c'est le Maaser Sheni ou Ani. On va parler du Maaser Sheni, techniquement, puisqu'on va parler dans la Mishnah. Donc, je prélève, donc j'ai reçu 100 kilos. Je commence à prélever 2, un cinquantième, 2 kilos pour le Kohen. Après, il me reste 98, je prends un dixième, 9,8 kilos pour le Lévi. Le Lévi, lui, lorsqu'il reçoit ce 9,8 kg, il doit prélever 980 grammes pour donner le dixième du dixième au Cohen. Ça revient encore une fois au Cohen, c'est celle de bord du Lévi. Maintenant, par rapport à la récolte qui me reste, je sais plus, j'en étais 88,7, quelque chose comme ça. Alors, 88,9, je dois maintenant prélever un nouveau dixième qui sera du Maaser Sheni. Ce Maaser Sheni, je dois prendre et je dois monter le manger à Yerushalayim. J'ai la possibilité de le racheter sur une pièce. Sur de l'argent. Ok ? Sur de l'argent nécessairement. Du coup, la Mishnah vient de me dire, sache qu'il peut y avoir des problèmes halakhiques dans tes prélèvements, et malgré tout, ça va être validé a posteriori si tu les manges. En l'occurrence, le Maaser Rishon, le Maaser Rishon Shinit la Trumato, le Maaser Rishon que j'ai donné au Lévi, je l'ai prélevé le dixième, 9,8 kg, lui, il devait prélever le dixième. Oui. Mais il a donné le dixième du dixième. Mais il y a malgré tout un certain problème dans cette récolte que je lui ai donnée, dans ces fruits que je lui ai donné, dans ce blé. C'est que, en fait, moi-même, je n'avais pas prélevé la trouma Gdola. En fait, au lieu de lui donner 9,8 kg, je lui ai donné 10 kg, parce qu'en fait, on parle que je n'avais pas prélevé la trouma. Mais pourquoi je n'avais pas donné la trouma? Parce que le Lévi est venu me voir quand j'étais encore au champ, avant d'avoir engrangé ma récolte dans ma grange, il est venu me voir et je lui ai donné le dixième avant d'avoir donné la trauma au Cohen, parce qu'en fait le moment de donner la trauma au Cohen n'était pas encore venu. Donc en fait le Lévi, il a fait une petite entourloupe au Cohen, il est venu, il a fait prélèvement comme s'il a gagné 200 grammes de plus. Concrètement, il est dispensé de donner la trauma, donc c'est ce que la Mishnah me dit, même si on n'a pas bien agi, lorsqu'on a inversé l'ordre, malgré tout, s'il n'a pas donné la trauma Gdola, il n'a pas de devoir de donner la trauma Gdola de cette récolte, donc il pourra la manger entièrement, c'est ce qu'on appelle le Maaser Rishon. Chez Nitla Trumato, dès qu'il a prélevé le dixième du dixième, même s'il n'a pas prélevé le 1/50, il n'a pas le devoir de le prélever, dans ce cas-là, il s'acquitte avec cette trauma. Idem aussi avec le Maaser Sheni Vehigde Sheni Udo. Du Maaser Sheni, c'est le deuxième prélèvement. Je vous ai dit, soit je monte le manger Yerushalayim, et si ça pèse trop lourd, par exemple, la Torah m'a donné la possibilité de le racheter sur de l'argent. Lorsque je rachète sur l'argent, je dois rajouter un cinquième. Si j'ai racheté sur de l'argent sans avoir rajouté le cinquième, malgré tout, les fruits sont rachetés. Il n'y a plus de gdoucha sur les fruits, j'ai le droit de les consommer, et je paierai le cinquième, en plus, en le payant de ma poche, de par ailleurs. De ce fait, j'ai fait le transfert de gdoucha, idem aussi avec le Hekdesh, j'ai fait le transfert de gdoucha des fruits sur l'argent, même si j'ai mal fait le transfert, parce que je n'ai pas encore ajouté le cinquième, malgré tout, les fruits sont devenus profanes, et je peux les consommer pour m'acquitter de la mitzvah, de manger la matzah. Idem aussi avec le Hekdesh, même principe. D'accord? Ensuite, aussi, la Mishnah m'enseigne va à Kohanim, Bechala ou Batrouma. Les Kohanim s'acquittent aussi en mangeant de la Chala ou de la Trouma. Soit, on aurait pu croire qu'il faut une matzah que n'importe quel juif puisse la manger. Ouais, par exemple, moi qui suis Israël, je ne peux pas manger de la Trouma. Imaginez, j'ai invité mon gendre, beau-frère, beau-père, Kohen à la maison, et lui, il mange de la Trouma. Je ne peux pas manger sa matzah. Ce n'est pas une matzah qui est permise à tout le monde. J'aurais pu croire que maintenant elle va me poser problème, que lui-même le Kohen ne pourra pas s'acquitter en la mangeant, parce qu'il faudrait peut-être une mitzvah qui est mangeable par tout le monde. La Mishnah enseigne que non.
Entre parenthèses, il faut savoir que c'est sur la Trouma, c'est vrai, sur le Maaser Shini, sur. Il y a Bémet, on parle longuement dans la Gemara, par exemple, les Bikurim. Si le Kohen reçoit des Bikurim à Yerushalayim, il peut s'acquitter ouais, des Bikurim, c'est les prémices des sept espèces, en l'occurrence notamment le blé. S'il reçoit du blé de Bikurim, il ne pourra pas manger sa matzah avec ce blé de Bikurim. Parce que il est obligé de le manger à Yerushalayim, mais il ne peut pas le manger ailleurs. On voit la même notion. Quelque chose que tu peux manger de partout, ça c'est sûr que ça a été invalidé. Faut bechol. Et on continue la Mishnah. Donc, vakonim bechala ou betrouma, le konim s'acquitte avec la chala et la trouma. Par contre, avalo betevel, par contre, on ne s'acquitte pas avec du tevel, de la récolte qui n'a pas du tout été prélevée, du tout, du tout. Dans ce cas-là, on ne peut pas s'acquitter parce qu'il n'y a aucun moyen de la manger, même si c'est que du tevel midera banane. Par exemple, on parle d'une récolte qui a poussé dans un pot de fleurs. Fermé, c'est pas considéré comme ce qui a poussé au sol. Malgré tout, il y a un devoir de prélever Midera Banane. Si on n'a pas prélevé, on ne peut pas s'acquitter en mangeant une massa pareille. Vélo be maaser rishon shelonit la tomato. Et on ne peut pas s'acquitter non plus avec du maaser rishon duquel on n'a pas prélevé la trouma. Soit, on parle du cas maintenant où le Lévi il est venu me voir dans ma grange et qu'il a pris le maaser avant d'avoir pris la trouma de maaser. Et que le Lévi il a payé le dixième du dixième. Il a payé sa trouma de maaser, mais il n'a pas payé la trouma. Étant donné qu'il est venu me voir quand j'avais déjà engrangé ma récolte elle est déjà imposable de trouma. Et s'il ne prélève pas la trouma de ses fruits, il n'aura pas le droit de la manger non plus. Vélo be maaser sheni vehegdesh shelonidu. Et on ne s'acquittera pas non plus avec du maaser sheni ou du hegdesh qui n'a pas été prélevé, qui n'a pas été racheté. La Gemara explique, on parle en fait que ça a été racheté, mais mal. Par exemple, il a pris une pièce, mais une pièce qui n'a pas été poinçonnée, où il y avait la pièce, c'était un peson d'or ou peson d'argent, mais sur laquelle on a jeté le sceau du roi. Et si elle n'a pas été signée, elle n'a pas été poinçonnée, je ne sais pas comment c'est dit exactement, eh bien elle n'a pas été frappée, la pièce, alors on ne peut pas prélever la Kdoucha de la sorte. Ou encore, pour le Hekdesh, s'il a racheté la valeur en la faisant en la transférant sur un bien immobilier, par exemple. Il n'a pas réussi à racheter la Kdoucha. Donc les fruits sont interdits à la consommation, et je ne pourrais pas m'acquitter de la mitzvah de matzah en mangeant une matzah qui est interdite à la consommation. Autre cas de figure maintenant, chalot toda ou rukikei nazir. Toutes sortes de korbanot où il faut apporter des matzot, en plus du pain qu'il faut apporter. Lorsque par exemple j'apporte un korban toda, je dois aussi apporter des matzot. D'accord, il y a 30 matzot et 10 pains, chametz, lorsque je fais une toda. Maintenant, moi j'avais prévenu d'apporter mon korban toda, et il m'est resté finalement, je ne les ai pas utilisés, je n'ai pas fait mon korban toda, il me restait du pain matzah. C'était de la super matzah. J'ai veillé à ce que ça ne lève pas comme il fallait, apparemment. Idem aussi pour les rekikei nazir, les petits pains que le nazir doit apporter lorsqu'il fait son korban, il doit aussi apporter des pains qui sont matzah. La Mishnah m'enseigne, mais Asan Latsmo, si tu les as fait pour toi et qu'après tu as eu une raison pourquoi tu n'as pas pu faire ton korban, tu veux quand même utiliser ces petits pains, ces matzot, en guise de matzat mitzvah, et bien tu t'acquittes pas de ton devoir. En Yotsin Ben, tu t'acquittes pas de ton devoir. Asan Limkor Bashok, par contre, si tu les avais fait pour les vendre au marché, toi tu es un bon pâtissier qui fait de la super matzah pour le nazir par exemple. Et toi, tu t'es dit qu'il allait avoir plein de nazirs au Batamigdash, donc du coup, tu t'es mis à faire plein de matzot pour les vendre. Ensuite, comme ça, le nazir qui va vouloir apporter un korban, il pourra prendre ces matzot-là et s'acquitter de son korban avec. Tu les as fait pour les vendre au marché. Maintenant, ça a été un fiasco. T'as rien vendu. T'as tout gardé. La Mishnah me dit, dans ce cas-là, Yotzin Ben, tu pourras t'acquitter et les consommer. C'est quoi le principe exactement? De quoi on parle? C'est très simple. Le matzat me ushmartem est un matzot-là. Mais il y a le passou qui dit, vous devrez garder les matzot. Vous avez le devoir de surveiller les matzot de la mitzvah, les shem mitzvah. Quand tu fais ta matzah de Pessah, tu dois la garder et la travailler, les shem matzat mitzvah, en guise de matzah de la mitzvah, de manger la matzah à Pessah. Si tu ne penses pas à la... Maintenant, lorsque tu fais pour ces korbanot-là, si tu prévois de faire une matzah pour faire joli, tu n'as pas fait de rametz du tout, mais tu l'as pas... Tu n'avais pas d'intention de la faire les Shem Matzah, où tu l'as fait en guise de Korban même. En guise de Korban qui n'était pas la Matzat Mitzvah. C'était une autre raison pourquoi tu l'as fait. C'était une autre mitzvah d'apporter un autre Korban. Ce n'était pas la Matzah, de la mitzvah de manger de la Matzah la veille de Pessah. Le soir de Pessah. Alors là, dans ce cas-là, tu ne l'as pas fait les Shem Matzah. La Matzah, elle est invalidée. Elle n'est pas Hametz. Tu pourras la manger tout le reste du temps que
tu veux à Pessah, mais pas le soir de Pessah parce qu'elle n'a pas été faite en guise de matzah. Ça, c'est quand tu l'as fait pour toi-même. Lorsque tu fais maintenant des matzot pour les vendre au marché, alors la Milagma explique que tu gardes malgré tout dans un petit coin de ta tête l'éventualité que finalement tu vas pas réussir à les vendre, et au pire, tu les utiliseras à Pessah, ou tu les vendras à quelqu'un qui en a besoin pour Pessah. Donc il s'avère que ton intention au moment où tu vas les faire, tu as une intention de le faire soit pour le korban du nazir ou du toda, ou soit, si tu en resteras, tu l'utiliseras en guise de Pessah. Puisque tu as l'intention de le faire en guise de matzat mitzvah de Pessah, alors tu t'acquitteras avec ces matzot. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salah.